Salut à tous et bienvenue sur Geese Gaming, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite session dans l'espace sur Astroneer. Donc, on est sur ma sauvegarde, j'ai eu un petit souci, c'est-à-dire que j'ai eu un bug de texture, je sais pas trop. Donc j'ai la moitié du monde qui s'est barré. C'est assez problématique, donc j'ai dû recommencer une sauvegarde. Vous voyez, si je saute dans le vide, wouhou, je passe à travers. C'est génial, c'est très marrant, mais bon, c'est pas terrible, terrible. Donc, du coup, j'ai pas continué sur cette sauvegarde, et je suis passé sur une autre sauvegarde. Hop là, donc j'avais tout ça, donc j'ai reconstruit à peu près ça, en un peu différent. J'ai pas encore refait ça, le générateur, le catalyseur d'hydrazine, je l'ai pas refait, et j'ai refait ça, et j'ai compris comment ça marchait, donc ça je vais vous montrer de suite. Donc je change de sauvegarde et on se retrouve, à de suite. Alors, nous voilà sur ma nouvelle sauvegarde. Donc, comme je vous disais, j'ai refait l'extracteur de minerais. J'ai refait une station de recherche, la fonderie et l'imprimante. C'est bizarre, ça. Donc, j'ai refait tout ça. Et du coup, ça, j'ai trouvé comment ça fonctionnait. Donc, je vais vous montrer ça de suite. J'ai prévu aussi de faire un petit opening de recherche, parce que j'ai pas eu beaucoup de recherche sur ce serveur encore. Voilà, on va voir les recherches qu'il y a. Là, j'ai récupéré des trucs d'énergie, donc ça c'est pratique. Batterie, ça c'est pratique. Hop là, alors ça, comment ça fonctionne? Vous voyez, j'ai sur mon outil, j'ai mis des bonbonnes qui se remplissent de terre. Il suffit de mettre les bonbonnes remplies de terre ici, ça les vide, et ça remplit la jauge qu'on voit ici. Et après, tout simplement, on vient sélectionner, on met un échantillon au milieu. Là j'ai besoin moi de malachite, ou alors j'ai besoin de malachite, ou alors de quoi? Du lithium, du composite, j'ai besoin de compo, j'ai besoin de résine, j'ai besoin de tout, donc on va le faire surtout. Donc je mets la malachite, et là j'envoie. Et en fait il va injecter de la terre dans chaque pot. Regardez, j'adore ça. Ça change la phase du jeu, parce que du coup tout ne se fait pas en mining. Il y a pas mal de... là ça va, on récupère de la terre. Voilà, on a récupéré la terre et hop! Tink! Voilà, il me récupère de la malachite. Voilà, donc c'est pas mal, hein, ça permet de... Et là, vous voyez, je mets directement ma bonbonne, shift un clic gauche, hop là, ça met la terre. J'en ai plus? Non, j'en ai plus. Donc ça se met directement. Hop là. Je vide les bonbonnes, ça vide les bonbonnes de terre directement, ça remplit, et il n'y a plus qu'à, après ça nous fait donc ça nous fait des nouvelles ressources. Donc là j'ai laissé un échantillon de chaque de ceux dont je pourrais avoir besoin, histoire d'avoir de quoi fondre. Alors là, moi je vais fondre tout ça. Notamment pour faire un panneau solaire, un grand panneau solaire. L'aluminium j'en ai pas encore besoin parce que j'ai pas trouvé les recherches sur l'éolienne et tout ça. Alors avec un shift clic gauche, ça envoie les objets nécessaires à la construction qui sont en surbrillance. Donc c'est pas mal ça. Là je vais faire un grand panneau solaire. Que je vais mettre par là-bas. Voilà, pour la journée. Et il va me falloir aussi d'autres... Hop là. Tac. Tac. Bon ça c'est ok. Là j'en ai un autre cuivre. Alignement. Le module d'alignement c'est fait pour aplanir le sol. La lampe de travail j'ai. Les bonbonnes je pourrais en faire d'autres mais il me faut de la résine. Donc pour l'instant j'ai pas tout à fait ce qu'il faut. Il faut que je fasse de la résine pour pouvoir augmenter la taille de ma structure on va dire. Histoire de pouvoir mettre du stockage. Typiquement là je pourrais prendre une résine. Et voilà, ça va me faire un stockage de plus. C'est pas mal. Donc là je vais pouvoir y mettre de l'organique. Le cuivre, je vais le mettre là. Là, il n'y a plus d'énergie, donc je vais mettre l'organique que j'avais d'ailleurs. On va le mettre ici. Alors, on m'a dit de garder les petits panneaux solaires sur moi. Oui, c'est une bonne idée de le mettre ici. Mais en règle générale, je me déplace toujours avec des... comment ça s'appelle? Avec des rallonges. Donc forcément, je vais avoir toujours l'énergie de la base. Donc je préfère pour l'instant les laisser sur la base.
puisque je vais toujours me déplacer avec des rallonges. Quand je me déplacerai sans rallonge, c'est que je serai avec un véhicule et là il sera sur le véhicule, le panneau solaire, je pense. Condensateur de carburant, ben voilà, je l'ai trouvé. J'ai plus d'organique, non j'ai plus rien. Là j'ai un peu d'oxygène que j'ai récupéré. Et il va falloir que je remine de la terre au final pour refaire de la résine, parce que pour l'instant j'en ai plus. Alors je vais laisser toujours une, voilà, là je pourrais en faire une, mais c'est pas très intéressant. Regardez, ah ouais voilà. Ah oui, pour la résine, on peut en faire beaucoup plus à la fois. La terre, ça va beaucoup plus vite. Ça dépend de ce qu'on met. La malachite, regardez. Touk. Ah ouais, il en faut beaucoup plus. C'est-à-dire que c'est la facilité qu'on a à en trouver dans le sol, si je comprends bien. Ouais, la résine, je peux en faire plein et ça va tout, pas tout me dépenser. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On va continuer à ouvrir des trucs parce que... Plateforme d'échange. Ah oui, ça c'est très bien. Il me faut vite ça aussi. Ça permet d'échanger des ressources les unes contre les autres. Et je voudrais aussi faire le truc pour aplanir le terrain. Je finis de faire ça. Un organique qui va partir directement. Ah là, le panneau solaire fonctionne. Donc ça c'est pas mal. Voilà. Ça va m'aider à recharger mes batteries. Le module d'alignement, voilà, du cuivre. On va aller en chercher un là. Alors je vais avoir droit à quoi? Une ressource, de l'aluminium, pas terrible. Je préférerais de la recherche. Alors le module d'alignement, je l'ai pas encore essayé. Ça c'est le module large, c'est pour creuser. Stockage. Ah ça c'est cool. Voyons voir comment ça aligne. Wow. Je sais pas exactement comment il fonctionne. En tout cas il fait des jolis trous. Ah oui non, ça creuse à la verticale. C'est pour vraiment forer. Ah, c'est mort de rire. C'est pour faire un vrai trou. On va combler ça avant de tomber dedans. Je pensais que ça alignait, que ça permettait de. Merde. Non. Ah oui, là j'avais aligné la verticale. Je pensais que ça permettait d'aplanir le sol. Vous voyez? Mais au final, non. C'est pas ça. C'est une erreur de ma part. Donc le module d'alignement, il va rester à la base. On va le mettre là-bas. On va essayer de trouver... Voilà, ça c'est le module large. C'est bien parce que comme ça, ça me fait des gros trucs. Je crois que j'ai rempli une bonbonne de terre, oui. Alors voyons voir le stockage, si c'est là. Ouais, stockage moyen. Il faut du composite. Donc là, je vais faire du compo. Là, j'en ai un. Il va me falloir d'autres. Regardez, si je veux faire du composite, on va voir avec la terre que j'ai. J'en fais au moins 3. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller me balader un peu, je vais récupérer encore un peu de terre. Alors je vais trouver ma mine et je vais faire du composite. Ça va me permettre de faire un stockage. Alors j'ai changé de côté... Ah non, mais non, vous aviez pas vu. Là, je suis parti miner un coup, essayer de trouver des ressources. Hein, et me balader notamment, trouver des... Oh, le joli slide. Trouver des recherches, hein, c'était le but principal. Parce qu'en plus, là, j'ai plus de rallonges. Il faut que je refasse du composite pour avoir des rallonges. Alors là, il y a de l'aluminium, on va le récupérer. En même temps, on fait de la terre qu'on va pouvoir mettre dans la machine. Ce qui est pas mal du tout. J'ai plus du tout d'énergie, j'ai plus d'oxygène. On va se repartir là-bas. Ça va remonter tranquillement. Alors c'est le module large, hein, qui consomme de l'énergie, si j'ai bien compris.
Voilà. C'est pas le fait de creuser, puisque je peux continuer à creuser même si j'ai plus d'énergie. Ça c'est cool. Ça me fait un petit oxygène en plus. Ça me fait une bonbonne d'oxygène gratos. On cherche s'il y a encore de l'aluminium. On dirait qu'il n'y en a plus. Là, il y a peut-être de la recherche à faire. Voilà, j'ai récupéré de l'énergie en plus. Donc là, j'ai mes deux... Ah, en plus, j'ai mes deux trucs de terre qui sont remplis. C'est pas mal parce que ça va me permettre de faire des composites. Alors là, il faut arriver à les ramener les deux. Toujours la même galère. Alors là, j'ai le gros panneau solaire du coup à la base qui me fait l'énergie. Ça, c'est pas mal. J'ai essayé de poser mes rallonges de manière pas trop con, histoire d'avoir de l'énergie un peu partout, mais... c'est pas simple. J'ai essayé de pas les poser en plein milieu pour pas me bloquer dessus ou... ou autre. Allez, ça c'est parti. En tout cas, j'ai le stockage, donc ça c'est pas mal. Ça va m'aider. Quand je pourrai le faire. Là, il faudrait vraiment que je trouve les éoliennes pour avoir de l'énergie la nuit. Et au pire, il faudrait que je fasse des batteries pour avoir de l'énergie aussi la nuit. Pardon. L'habitat. Au cas où. Alors là, il y a du cuivre et on va mettre la térite. Ça va fondre. Slide. Avec un shift, clac. Les deux bonbons de terre. Donc là, normalement, si je dis pas de conneries. Hop, si je mets ça et que j'appuie là. Voilà, il met beaucoup moins de terre par petit truc. Donc il devrait toutes me les remplir. Mais là, ça va dépoter. Ah, c'est beau ça. Ça c'est beau. Clink. C'est prêt. C'est cuit. C'est trop bien. Donc du coup là je vais pouvoir mettre des stockages un peu partout. Mais il va me falloir de l'énergie pour ça. Voilà, un super stockage ici. Ils se mettent pas à plat les stockages? Non, pas dans cette version. Ou alors c'est les grands stockages qui se mettent à plat. Je sais pas s'ils existent encore ou pas. Et je laisse toujours un des... Je vais en laisser un ici. Je vais laisser celui qui est là. Pour avoir... On va toujours un échantillon pour pas avoir besoin d'en retrouver un nouveau. Bon, là, au niveau énergie, c'est la pénurie. Ce qu'on va faire, c'est ça. On fait de l'organique. Forcément ça marche pas, c'est pas organique tout ça. Voilà. Alors sur quoi il me le faudrait? Il me le faudrait en priorité là-dessus. Voilà, recharge ça, comme ça je vais pouvoir faire un autre stockage. Et je vais pouvoir faire aussi... Clac. Il me fallait des rallonges. Impératif ça. Parfait. Ça avance, ça avance. Là, il faudrait que je fasse aussi la station d'échange, à un moment ou à un autre.
Je sais pas ce qu'il en est de la transmission d'énergie en fonction des distances. On va le mettre là. Ça nous fera un stockage de plus. On va mettre le module d'alignement. Là, il y a du lithium. Ce qu'il faudrait que je fasse aussi, c'est que je fasse pousser ici et ici pour mettre des stockages autour de ça. Là, par exemple, j'ai beaucoup d'aluminium, ça sert à pas grand chose. Bientôt, le panneau solaire va se réveiller, ça va être pas mal. Est-ce que j'ai de la terre? Un peu, mais ça passe suffisamment. Pour l'instant, on va mettre ça là. Et on va mettre ceci à fondre. Ça c'est quoi? Un aluminium? Mais il y en a partout de ces bêtes là. Il va falloir vite que je trouve quelque chose à faire avec cet aluminium. Allez, on est reparti. Maintenant qu'on a des rallonges dans les soutes, hop là. On va aller se balader un coup. Alors je sais pas trop si je pars à gauche ou à droite, je suis pas encore décidé. On va repartir par là. J'adore les slides qu'il fait, c'est génial. Alors, j'étais ici, il va nous falloir une rallonge. On va peut-être descendre. Je vais voir un petit coup par là, ce qu'il y a. Hop, pardon, excusez-moi. Mélangeage de doigts. Bon, là j'ai mis mes trucs au milieu. Alors là, il y a un trou. Il y a un trou, qu'est-ce qu'on a là-bas? On n'a pas l'air d'avoir de ressources dans le secteur. Voilà. Il n'y a plus de trous. Alors du coup, j'ai l'impression qu'il y a moins de ressources qu'avant dans ce jeu. Enfin, il y a moins de... Ah, là, il y en a. Voilà, je fais de l'énergie parce que ça peut toujours servir. Ça c'est quoi? Latérite. Ah, là-bas c'est de l'ammonium ou... Et là il y a des recherches. Qui essayent de me tuer. Alors on va essayer de... On va aller remettre une rallonge, on va revenir par ici. J'essaie de les tirer au max, elle les rallonge à chaque fois. En plus, ça permet de se diriger les rallonges, c'est pas mal. Alors, c'est quoi ça? Malachite, ok. Ça, c'est pas mal. Ça sera toujours moins cher qu'avec de la terre. Bon, là, vous voyez mes deux... On voit mon cercle bleu autour de mon point que ça y est, ma terre est remplie. Mes bonbonnes sont remplies. Donc en soi, je peux remonter. C'est pas très grave si j'ai pas fini de miner la malachite. Parce que ça va me permettre de générer de la résine et des trucs comme ça. Donc là, je remonte cash. Avec ma recherche en plus. Donc ça, c'est bien. Parce qu'il me manque encore pas mal de choses. Tout ce qui est éolique et tout ça. Les rovers. Il faut... Oh là là, mais en fait il me manque des centaines de choses. Je vais mettre l'énergie directement sur les... Hop là. Sur les... dans ma base, je vais pas la garder sur moi, je vais juste en garder un bloc sur moi. On court plus vite sans les recherches. Hein. Sauf que c'est gerbant de les lâcher tout le temps et pour les récupérer. Ah, il y en a une que j'avais pas fait d'ailleurs. Allez, recherche-toi. Pendant que ça recherche, je vais aller vider mes bonbonnes. Vous voyez, ça m'a bien rempli à 4 traits.
Donc si je mets de la résine, je peux en avoir au moins 4. Ah, j'ai pas vu ce que j'avais eu en recherche, merde. J'ai pas fait gaffe. Bon, mais c'est pas très grave. J'étais concentré ailleurs. Je le verrai sur la vidéo, je pense. Je le rate pas. Stockage grand. Ah, ça c'est cool par contre. Alors voyons voir. Qu'est-ce que j'ai ici? On va aller voir le stockage grand, ce qu'il faut pour le grand stockage. Batterie moyenne, habitat, panneau solaire. Stockage moyen. C'est bizarre. Pourquoi il n'y a pas le grand stockage? Où est-ce que ça va se crafter? Alors je sais pas du tout. Je me demande où est-ce que ça se craft. C'est dommage. Bon, dans tous les cas, il faut. On va libérer de la place ici. Ça, on va le prendre. On va le mettre aussi quelque part. Et on va générer de la résine avec ça. Ça va me générer 4 résines, c'est déjà ça. Hop, yo. Reviens ici, toi. Alors, la résine, on va se mettre ici. Et on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Condensateur de carburant, imprimante moyenne, fonderie, quai véhicule, plateforme d'échange, extracteur de minerai, catalyseur d'hydrazine, condensateur de carburant. Ça c'est pour transformer, je présume, l'hydrazine en carburant. Bon, ça, station de recharge, catalyseur d'hydrazine, non. Je vais faire la plateforme d'échange. En plus, j'ai de l'aluminium, il m'en faut plein. Il m'en faut plein, j'en ai plein. Oh. Pourquoi il a mis une résine ici? Ah non, mais il y a des foires. Hein. Et alors ça, ici. Et le module. Alors la plateforme d'échange, si je me souviens bien. Voilà. Production. On lui demande ce qu'on veut produire et on met des ressources en échange. Par exemple, si je lui mets je veux un truc facile à avoir, genre de l'organique, du compost. Si je lui mets, voilà, il va me les échanger. Là, deux composites, il va me générer deux composites à la place des malachites. Par contre, si je lui mets du titane, par exemple, ça va me chercher, ça va me filer un truc beaucoup. Je vais avoir un meilleur taux d'échange. Donc voilà, ça c'est pratique. Par exemple, là j'ai trop d'aluminium, je pourrais en mettre. Hein. Hop là. Par contre, j'ai toujours pas vu le stockage grand. Je sais pas où il est. Voilà, on libère la place histoire que ça le fasse. Impeccable. Alors, je voulais mettre un stockage ici. Voilà, parfait. Là, j'ai plus rien. On va mettre ça. Ah, il me semble que je peux faire ça aussi. Voilà. C'est pas mal ça. Voilà, là il s'ouvre. On va mettre tout l'aluminium d'un côté. Voilà, ça permet d'avoir un truc un peu mieux organisé. Ça c'est quoi? Du cuivre. Du cuivre. Il faudrait que je fasse avec ce cuivre. Je vais faire un gros stockage encore.
Les batteries, il faut du lithium. Ah non, c'est du composite qu'il faut pour ça. Je croyais que c'était un... Je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était du cuivre. Et je vais me stocker le cuivre. Parce que pour l'instant... J'ai pas eu de nouveaux trucs. Bonbonne, rallonge. Les bonbonnes, il faudra aussi que j'en génère. Raté. Voilà. Le cuivre. Voilà, au niveau ressources, je suis pas trop mal. Il faut que je continue à faire des recherches. Mes bonbonnes, elles sont vides. Parfait. Donc pour que ceux qui résident et composites, c'est quand même pratique de le faire à partir de la terre. Parce que là, j'en trouve pas BZF. Hein. J'ai l'impression qu'ils ont diminué le nombre de ressources qu'il y avait dans le jeu. Enfin, la quantité. Après... Voilà. On court plus vite sans l'outil. Ce qui paraît logique en soi. Alors, on va poser une rallonge. Voilà. Là, il y a de la latérite. On va voir s'il y a des... C'est joli ici, mais... Ça manque d'éclairage encore. Ça c'est l'énergie des deux trucs que j'ai détruit. On va mettre un peu d'éclairage. Des rallonges, j'en ai plus beaucoup. Il n'y a pas de recherche là-dessous. Je vois à quoi ça sert ces gros arbres là. Vous voyez, j'ai déjà rempli une bonbonne de terre. Hein. Ça va vite. Je me fais un passage un peu mieux. Et là, il y a encore du cuivre. Ce qu'il me faudrait, c'est du lithium. Hein. J'ai déjà les deux bonbonnes de terre qui sont remplies. Si je voulais vraiment aller farmer de la terre, ça irait très vite aussi. Il suffirait de se mettre plein de bonbonnes dans le sac. Qui va être ma prochaine étape, je pense. Parce que là, du cuivre, j'en ai plein. On va partir voir un peu par là ce qui se passe. Là, ça remonte encore. Ça tourne un peu en rond, cette... il faudrait que je descende un peu plus profondément. Il y aurait sûrement des ressources plus rares, notamment en descendant par ici peut-être. Bon, je vais prendre un peu d'oxygène là, et on va aller faire juste une petite explo rapide, avant de déconnecter, savoir où est-ce que je partirai la prochaine fois. Ah ouais, là ça descend quand même très profondément. Allez, slide un coup. Puis ça continue à descendre. Waouh. Faudrait peut-être que je m'arrête. Hein. C'est quoi ça? C'est une recherche qui était perdue au fond de, au fond d'un gouffre. Alors bah, elle était tellement bien perdue celle-là que je veux la faire. Hein. Avec un peu de chance, elle est un peu spéciale. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter juste là. Pour récupérer un peu d'oxygène, voilà. Alors si je me trompe pas, c'était par là que je suis venu. Ah, on marche doucement avec ça. Et on peut pas sauter non plus. Bon, mais j'aime bien ce jeu, hein. Il est plutôt tranquille, hein.
C'est pas The Forest où on se fait attaquer toutes les 3 minutes. C'est pas Elion où on meurt toutes les 3 minutes aussi, pour des raisons X ou Y. C'est un jeu de survie spatiale, craft, assez sympa, assez tranquille. Très joli, je trouve. Il a vraiment une patte graphique, il a vraiment quelque chose. Donc vraiment très sympa. Et il y a pas mal d'exploration à faire, je pense que... En plus, on peut changer de planète, si je me souviens bien. Donc il y a des choses à faire. Il y a quand même pas mal de choses à faire. On va ramener ça. Là, on va ouvrir cette recherche. Et puis moi, je vais vous laisser là. Je vais retourner. Je vais peut-être continuer un peu, je sais pas encore, à faire de la terre, faire de la résine pour pouvoir augmenter la taille de ma base. C'est vrai que là j'ai pas mal besoin de recherche pour l'instant. Parce que j'ai pas tout le système éolique. Il faudrait que je trouve du lithium aussi. Ça serait pas mal. J'en ai un échantillon là, mais générateur moyen. On va voir si on trouve le générateur moyen. En plus, je sais même pas ce qu'il faudrait pour le faire. Générateur moyen. Du cuir. Ça peut le faire, hein. Par contre, je sais pas ce qu'il va falloir mettre dedans, hein. On va le crafter. C'est bien, un générateur, c'est toujours bien. J'ai besoin d'énergie, donc... Il faut du charbon. C'est une ressource que je n'ai absolument pas. Et on peut pas mettre autre chose? Non. Toi, reviens ici. Non, j'ai l'impression qu'on ne peut pas mettre autre chose que du charbon. Donc pour l'instant, je n'en ai pas. C'est une ressource rare, si je ne m'abuse. En tout cas, rare sur les planètes de départ. Donc, le générateur en fer ne me sert à rien. C'est pas très grave. On va aller mettre ça à fondre. Et moi, je vais vous dire à bientôt. Je vais m'arrêter là. Je vais... Peut-être... Bon, il faut que je vide mes poches. Je vais réorganiser tout ça, commencer à penser un peu la structure de ma base. On va voir si ça se met directement dans les stockages. Ouais, ça se met sur les stockages. Impeccable. Ouais, ça c'est cool. Il faudrait que j'en mette, entre guillemets, à chaque gros point là. Ici, ici, là-bas. Pour avoir un truc vraiment, vraiment bien organisé. Bon mais voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusque là, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, et moi je vous dis à très vite en vidéo, ciao ciao.